Bienvenue sur Main Public News Connect. Des reportages inédits de la radio publique de Maine sont diffusés chaque semaine en espagnol, en français, en portugais, en somalien et en anglais. Vous êtes sur Main Public News Connect et bienvenue à vous. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 3 février 2023. Je suis Victoire Liwanga et tout de suite, les principaux titres de l'actualité de cette semaine. Une agence de l'État a envoyé la première série d'échecs d'aide au chauffage d'un montant de $450 le lundi aux résidents de l'État de Maine. Et en début de mois de janvier, les législateurs ont approuvé une loi de financement d'urgence qui comprend près de 400 millions de dollars pour les paiements directs aux contribuables. Les chèques seront envoyés aux résidents qui ont déclaré leurs revenus pour l'année fiscale 2021 et qui ont touché moins de 100 000 dollars en tant qu'individu ou moins de 200 000 dollars pour les couples. Et aussi bien que le programme ait été conçu pour aider les résidents de Maine à payer le frais de chauffage et d'électricité, cependant, il n'existe aucune restriction quant à l'utilisation de cet argent. Un nouveau projet de loi déposé à l'Assemblée législative de Maine vise à étendre les droits aux soins de santé financés par l'État à tous les résidents de Maine, quel que soit leur statut d'immigration. Le projet de loi a été présenté par la présidente de la Chambre des représentants, Rachel Talbot-Ross, qui est une démocrate de la cité de Portland. Le projet de loi sera d'abord examiné par un comité législatif. Signalons que l'année dernière, la législature a étendu le Maine Care aux résidents immigrants qui avaient 21 ans ou moins et aussi aux femmes qui étaient enceintes. Et selon l'État, près de 100 000 résidents de Maine sont actuellement inscrits au programme de soins de santé de Maine Care. Trois organisations de Maine unissent leurs efforts pour lutter contre les pratiques d'exploitation de la main-d'œuvre dans l'État de Maine. Et ces trois organisations, notamment Pine Tree Legal Assistance, Purple Street et Immigrant Legal Advocacy Project, ces organisations utiliseront une subvention de 2 500 000 de dollars pour étendre les services de soutien et de représentation juridique aux victimes d'abus et d'exploitation de la main-d'œuvre dans le Maine. Les groupes affirment que les poursuites civiles contre les personnes qui commettent des abus en matière de travail peuvent aider à garantir les salaires impayés des victimes. Signalons qu'au cours de 10 dernières années, l'organisation Purple Street a aidé plus de 600 victimes du trafic de la main-d'œuvre. Et si vous ou l'un de vos proches est victime d'exploitation ou du trafic de la main-d'œuvre, vous pouvez contacter l'organisation Purple Street au 207-775-0026. 207-775-0026. Une nouvelle pièce de théâtre actuellement à l'affiche au Portland Stage explore l'identité cubano-américaine à travers les thèmes sur la famille et la nourriture. La pièce raconte l'histoire de Bea qui est une boulangère cubano-américaine et qui s'installe dans le Maine rural pour ouvrir une boulangerie. Mais elle se débat avec sa décision de quitter sa famille à Miami. La pièce est intitulée « Sweet Goat and Blueberry Senoritas ». Elle a été co-écrite par Richard Blanco. Richard Blanco est un poète cubano-américain qui vit dans l'ouest de Maine. Blanco dit que la pièce parle aussi de la façon dont l'immigration change le Maine et combien cela coûte pour que des personnes d'origine différente apprennent à vivre ensemble. C'est la fin de ce bulletin pour Maine Public News Connect. Merci d'avoir été avec nous. Je vous retrouve au prochain numéro et passez un excellent week-end. Maine Public News Connect est en partenariat avec des organismes exceptionnels de partout dans le Maine qui s'engagent à fournir un accès aux nouvelles et aux informations importantes pour tous. Nous tenons à remercier tout particulièrement les organismes suivants pour leur soutien et leurs efforts. Maine Immigrant Rights Coalition, Present Maine, les communautés congolaises et angolaises de Maine, Amjambo Africa, Catholic Charities of Maine,
Greater Portland Immigrant Welcome Center, Portland Adult Education, Portland City Office of Economic Opportunities, Prosperity Maine, Maine Health Access Foundation, ainsi que l'organisme Maine Humanities Council. Maine Public News Connect est rendu possible par des donateurs individuels, des entreprises et des fondations de partout dans le Maine, en particulier Coastal Enterprises, Seaport Credit Union, Hannaford Supermarket, IDEX, Kou et Patricia Ewan, Maine Health Access Foundation, Maine State Housing Authority et Sam Hale Cohen Foundation. Nous vous remercions pour votre précieux soutien. Maine Public News Connect est aussi rendu possible par Kou et Patricia Ewan qui s'engagent à combler les différences culturelles dans nos communautés. Juntos. Ensemble. Voilà dire. Junto. Seaport Credit Union. Together. Chez Maine Housing, nous savons qu'un logement abordable est primordial. Notre programme de prêt pour l'achat d'une première maison offre aux habitants de Maine des taux d'intérêt réduits et une aide de fonds pour l'achat des propriétés aux multiples appartements. Et pour en savoir plus, consultez les sites internet mainehousing.org. Hannaford Supermarket, qui célèbre la diversité de ses employés, de ses clients et de ses communautés, et s'engage à favoriser un environnement accueillant. Ensemble, ils sont plus grands que des produits d'épicerie. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet www.hannaford.com. Si vous souhaitez également soutenir ce projet, veuillez contacter Corey Morrissey au 207-232-02-41. 207-232-02-41.